Bonjour et bienvenue sur le podcast consacré aux super-héroïnes et aux super-héros de la transition écologique. Villejuif a lancé son premier budget participatif cette année. En avez-vous entendu parler ? Partons à la rencontre de celles et ceux qui ont proposé un projet et découvrons pourquoi les jeunes de la Green Team leur ont attribué un coup de cœur. Dans cet épisode, on évoque une flotte de vélos pour les collèges de la ville. Bonjour, je m'appelle Aurélie Stéphanie, j'ai 42 ans et je suis villejuifoise et agente de la mairie de Villejuif au service communication. Alors, j'ai proposé un projet d'achat de flotte de vélos pour les collégiens, voilà, pour tous les collèges de Villejuif, pour qu'ils puissent dès à présent se familiariser avec ce moyen de transport que moi-même j'utilise tout le temps, tous les jours, par tous les temps. Je me dis, pour aller à l'école, ça pourrait tourner, par exemple, de temps en temps, c'est une classe comme pour la piscine. Des fois, c'est une classe qui va à la piscine pendant un mois, l'autre classe après. Ça peut être pour des visites scolaires, par exemple, aussi, et pour un usage personnel, si effectivement on met en place un système de 2 semaines alternées pour que chaque collégien puisse en profiter. Je suis moi-même cycliste depuis de nombreuses années. Je pense qu'en sensibilisant les jeunes d'aujourd'hui, bah, ils deviendront plus facilement cyclistes, qu'ils apprendront aussi les règles de circulation, qu'ils seront plus peut-être prudents, ayant un fils aussi qui est passé par le collège il n'y a pas longtemps, leur apprendre la prudence très jeune. Et puis c'est vrai que j'en vois beaucoup circuler en trottinette électrique. Et pour le coup, bon, c'est toujours effectivement mieux que les voitures et que les scooters, mais écologiquement parlant, dit-on. Mais par contre, c'est vrai que je pense que c'est très dangereux et que j'inciterai toujours mes enfants, mes propres enfants à utiliser des vélos. Il faut voter pour ce projet parce que c'est suffisamment rare d'avoir autant de budget pour financer ce projet qui nécessite un fonds important. Voilà. Parce que se doter d'une flotte de vélos, c'est pas rien et ça demande de l'argent. Et aujourd'hui, grâce à ce budget participatif de la ville, on aurait accès à ce projet, à ce que vive ce projet. Votez pour nous! Zacharia est un des jeunes de la Green Team. Qu'a-t-il pensé de ce projet ? Alors moi, je trouve que ça va être assez bien par rapport en fait à l'initiation au vélo, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a les moyens d'acheter un vélo ou même d'apprendre à en faire. Du coup, c'est bien que, par exemple, lors de petites sorties pédagogiques ou autres, que les élèves fassent du vélo pour aller à ces sorties ou même s'initier au vélo. Merci pour votre écoute. Pour voter pour le budget participatif, ça se passe 100% en ligne jusqu'au 8 novembre, minuit.